Tu vois, c'est comme ça que ça marche. Quand tu vois que quelque chose ne va pas, tu pries, t'es pas guéri. Pose-toi la bonne question. Pourquoi je ne suis pas guéri? Ne va pas te dire non, je ne suis pas guéri parce que la guérison divine n'existe pas. Mais on a pu vous dire que tu es guéri. Pourquoi quand c'est toi, ça ne marche pas, qu'est-ce qu'il y a dans le monde? Pourquoi? La guérison divine existe. Amen. Quand on prie pour toi et que tu n'es pas guéri, pense à un exemple. Regarde, le frère de passé. Un frère de passé qui est là, quand on le mange, il chauffe, il repasse la vie, comme on le sait tous. Maintenant, vous allez sur un jour, vous venez, tu branches le frère de passé, tu commences à repasser comme ça, ça ne marche pas. Est-ce que tu vas dire que l'électricité n'existe pas? Non, aujourd'hui, il a branché le frère de passé, ça ne marche pas, non, l'électricité n'existe pas. Est-ce que tu as dit ça? Tu ne vas jamais dire ça. Tu diras non, l'électricité. Non, qu'est-ce qui n'a pas marché? Tu vas chercher à savoir. Est-ce qu'il y a des messages? Est-ce qu'il y a le compteur qui a coupé? Est-ce qu'il y a que ceci, cela, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que la machine est en panne? Vous voyez, c'est comme ça qu'on fait. C'est pareil pour la guérison. Tu es là, tu pries. Ça ne marche pas. Pose-toi la bonne question. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Cherche à savoir s'il y a une chose que tu dois réparer. Cherche à savoir où est-ce que tu as failli.